Je suis un ancien photographe et ce récit est dédié aux 135 photographes qui furent tués pendant les guerres d'Indochine. Bonjour, aujourd'hui je vais vous raconter un épisode de la guerre du Vietnam, enfin un de mes épisodes. Nous sommes en 1972. Je reviens pour mon deuxième séjour au Vietnam, au Sud-Vietnam, qui se bat contre l'oppression communiste. Le Nord-Vietnam est communiste et il veut absolument conquérir le Sud-Vietnam. À ce moment-là, une grande bataille se prépare, c'est la bataille de Quang Tri. Quang Tri est une petite ville tout près du 16e parallèle, la frontière entre le Nord et le Sud-Vietnam. Elle est encerclée par les divisions nord-vietnamiennes. Une route est encore ouverte, défendue par les parachutistes sud-vietnamiens. C'est la route numéro 1. Sur la route numéro 1, des scènes d'horreur. Aucun habitant du Sud-Vietnam ne veut devenir communiste. Mais les communistes nord-vietnamiens ont miné la route. Des enfants déchiquetés, des femmes défigurées. Ils ont tous sauté sur les mines des Vietcong. Après ces visions d'horreur, je pars avec les Vietnamiens, avec les parachutistes vietnamiens. L'artillerie communiste vietnamienne bombarde nos positions. Nous sommes dans des tranchées et l'artillerie bombarde. Moi, j'avais vraiment jamais connu ce genre de choses. J'avais cru connaître la guerre au Tchad. Ça n'a rien, mais rien à voir. Là, c'est vraiment la guerre. Et puis la peur. La peur qui te prend aux tripes, car on ne peut rien faire contre les obus. Il n'y a plus qu'à se terrer et à prier. Enfin, au bout d'une semaine, je peux rentrer à Saigon et envoyer mes films en France. Je veux également faire un reportage sur les pilotes sud-vietnamiens. Et donc je pars avec des pilotes qui se battent au-dessus de Quang Tri et qui bombardent les positions nord-vietnamiennes. Ils larguent leurs bombes en piqué et après, ressources, 3 ou 4 fois la pesanteur. Et ils me disent tous la chose suivante, nous ne voulons pas être communistes, plutôt mourir que d'être communistes.
Alors après ce reportage, je repars à Quantry. Je repars à Quantry, les choses sont de plus en plus difficiles. Un jour, je pars avec une section. On part vers les positions nord-vietnamiennes, vers les positions communistes. Et puis d'un seul coup, les balles sifflent. Les balles sifflent vraiment. À ma droite, des hommes tombent. Je me planque. Puis on se relève. L'infirmier qui était à côté de moi tombe, mort. Moi, je ne sais pas vraiment quoi faire. Et d'un seul coup, un choc énorme. Pas une douleur, un choc. Et je tombe. Là, je perds conscience. Je me réveille quelques secondes plus tard. Des explosions épouvantables. Je le saurai plus tard, ce sont les Sud-Vietnamiens qui strafent avec des hélicoptères la position qui doit être à 30-40 mètres plus loin, la position des communistes. Ils pensaient que j'étais mort. Je retombe dans les pommes et je me retrouve dans un poste, je vois une croix rouge et je vois des blessés autour de moi, ce sont des blessés sud-vietnamiens. Là, je retombe dans les pommes, puis je me vois monter dans un hélicoptère, ou plutôt, être monté dans un hélicoptère. Et puis il y a cette vision que je garderai toujours, toute ma vie. C'est une plage blanche extraordinaire. En fait, l'hélicoptère devait survoler les plages de Da Nang. Et donc je vois cette plage blanche, c'est le paradis. Pour moi. Et je me retrouve à l'hôpital américain de Da Nang. J'ai pris 2 balles dans le ventre, 2 balles d'AK-47. Et quand je me réveille, je vois un visage absolument extraordinaire devant moi. Une jeune femme. Elle a les yeux bleus, elle a un visage. C'est une... Oui. Une déesse. Et pendant les longues semaines qui vont suivre, je n'ai Dieu que pour elle. Eh bien, un jour, on me dit, « Eh bien, écoutez, Philippe, on va pouvoir vous redresser votre lit. » Très bien. Et donc, vous savez, ce sont des lits électriques, et je n'ai que Dieu pour cette femme, qui me regarde souriante, et je l'aperçois en entier. Ah, elle est comme beaucoup d'Américaines, très forte, très très forte. Et là, j'éclate en sanglots. Et le chirurgien américain dit, stress post-traumatique, appelez-moi un psychiatre. Je dis, non, je veux partir. Je veux m'en aller, soyez gentil, je veux m'en aller, je veux partir, je veux aller à l'hôpital français de Saïgon. Et voilà mon histoire sur le Vietnam. Blessé par 2 balles dans le ventre, et surtout, par une infirmière, aussi beau visage. À bientôt sur ma chaîne. Au revoir.